Salut les amis, c'est Tsuzaku d'Argus Phoenix et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Psychonautes où on s'est arrêté à l'épisode précédent pour un combat de boss dans l'esprit de Sacha. Oulala, oulala. Décolle-moi et repose-moi. Assez. Oulala, oulala. Calme-toi. Oh oh. Assez joué, Rasputin. Détruis-le. Ok, j'ai raté. Voilà, on va faire ça pour enlever les mignons, parce que je crois que j'ai compris qui revenait à chaque fois. Les petits senseurs ravitaillent le gros en énergie. Voilà, non, lâche-moi. Lâche-moi. Voilà, vidéo dernier. Bon là, je vous assure que j'ai pas fait d'entraînement hein, après l'épisode 5, après l'épisode 3. J'ai fait que... Enfin, de regarder... Repose-moi. Oh là là, oh, une pointe de flèche. Enfin, j'ai pas fait le boss en particulier, c'est la première fois que je le fais et c'est surtout le premier boss du jeu. Calme-toi. Calme-toi. Ouh. Alors, c'est là qu'il y a un discours et que je passe à un autre cours? Non. Tiens, voilà ton badge. Et qu'on ne parle plus jamais de ça. Je veux tirer sur d'autres trucs. D'accord, d'accord. Mais plus dans mon esprit. Oublions mon esprit un moment si on retournait dans le tien, hein? Approche-toi du tour mental quand tu seras prêt. Ok, mais comme je l'ai dit à l'épisode précédent et comme j'étais pas sûr, on va faire un petit tour du camp, oui. Du camp du rock qui murmure. Mais avant, j'aimerais aller voir... Monsieur Kröller. Je vous amène à Jean Kröller. Allons chez Ford. Enfin, je veux dire, à mon sanctuaire. Oui, noble psychomètre. En récompense de ton travail, de ton dévouement, de ta bravoure et de ton agilité mentale, j'ai le grand honneur de te remettre le badge officiel de pyrokinésie. Cool. Je suis impatient de griller. Où est-ce qu'on est là? Dans ton esprit. Je me suis dit que tu aimerais être dans un endroit familier pour ton premier cours de pyrokinésie. Un cours? Chut, maintenant pense à quelque chose que tu aimerais brûler. Ah oui, on m'a dit que tu avais été élevé dans un cirque, mais tu tiens vraiment à brûler tous ces souvenirs heureux? Si c'était des souvenirs heureux, je me serais pas enfui. Mon père, il hait les psychiques, et il savait que j'en devenais un. Toute la journée, il m'obligeait à faire des acrobaties, en espérant me distraire, ou en espérant me tuer. Je n'ai jamais su. Et pourquoi parler autant alors que tu pourrais brûler des choses? Ok, donc... Allez, regarde quelque chose, et utilise ton nouveau pouvoir pour l'incendier. Faut appuyer sur la gâchette R, mais au-dessus. Oui, brûle l'air, Rasputin. Ok. Deviens plus chaud, continue.
pense... Ouh, ça commence à chauffer. Rasputin, verrouille-toi mentalement sur le dernier et ne le lâche pas pendant que tu utilises la pyrokinésie. Tu peux le faire. Ok. Très bon travail. C'est beau le feu. Ok, la leçon est terminée. Tu peux y aller. Mais tu dois me promettre de n'utiliser la pyrokinésie seulement pour des choses très très importantes. Sinon, ça devient un passe-temps. C'est promis. Et si tu t'en sers pour épater les filles, vérifie qu'elles n'ont pas mis trop de lac. Ok, maintenant j'ai une petite idée de à quoi ça va nous servir justement ce nouveau agent pouvoir. Couleur. Alors, que donne l'entraînement? Je ferais mieux d'y aller. Bonne chance, Rasputin. Donc là, on va faire un petit tour au camp. Puisque on va aller chercher d'abord le fameux sandwich, qu'est-ce qui est plus proche, c'est celui-là. Amenez-moi aux cabanes des enfants. On va aller chercher le fameux sandwich qui était dans la grotte. Et on va faire la suite de notre petite traversée dans le camp. Je crois et surtout chercher le magasin aussi. Je crois que j'avais oublié une carte ici. C'est bien ce que je pensais. Oh, c'est quoi ça? Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Ah d'accord, c'est juste pour aller là quoi. Oui. Voilà. Non. Mais je fais que de la merde. Hein. Non, mais je fais vraiment de la merde. Voilà. J'avoue, j'aurais pu passer par le trou, mais... Excusez-moi. J'aurais pu passer par le puits, mais je préfère le faire depuis zéro. Ouh, une pointe. Faudra aussi trouver le magasin pour cet épisode. On va aller peut-être cet épisode, on va l'appeler l'épisode promenade. Hein. Le quatrième épisode, une petite balade, on va dire, dans le camp. Voilà, le premier trésor de la chasse. Voilà, comme ça. On revient. L'étoile mentale vous démoralise. J'ai ce qu'il faut pour vous au magasin du camp. Venez vous acheter un aspiratoire avant que le stock soit épuisé. Oui, il y a aussi ça qu'il fallait que j'achète aussi, l'aspiratoile. Mais bon, on va d'abord acheter les marqueurs psy. Je pense que ça va déverrouiller quelques pouvoirs psychiques pour Raz. Où est le magasin? On va supposer que c'est par là. Entrée. Dans la grande salle, d'accord. Regardez la carte. Ok. Ok. Ok, là c'est la suite. Ok, bon, je suppose que c'est ici vu que c'est une zone un peu neutre. Ça a l'air d'être ici. Excusez-moi. Je t'ai dit que les burgers n'étaient pas prêts. Eh non, pas à moi. Il n'y a pas de braise. Ils ne seront pas prêts avant un moment. Peut-être une semaine. Une semaine? C'est une commande. Et je suis tout seul ici. Ça prend du temps. J'ai même pas envie d'un hamburger. Oh, pourquoi ne pas l'avoir dit? Alors, qu'est-ce que tu veux?
Oh, c'est mon dernier aspiratoile. Prends-le avec toi dans l'esprit de quelqu'un et fais le ménage. Il te débarrassera des toiles que tu pourras transformer en carte psy. 800 et rang 20, donc on n'a pas encore le rang avec pour ça. Avec ça, tu peux changer la couleur de certains de tes pouvoirs, comme ta bulle de lévitation et pas mal d'autres trucs. Bon, c'était un peu un gadget. De mon temps, les pouvoirs psy étaient tout gris, et ça marchait. On était déjà contents d'avoir des pouvoirs psy. Ben, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui. Ok. Oh, c'est mon dernier aspiratoile. Avec ça, tu... Ah, voilà quelque chose dont tout cas des psy a besoin. 400, c'est cher. Attire la santé mentale et d'autres énergies psychiques utiles, d'accord. Cette baguette de sourcier t'aidera à trouver les pointes de flèches enterrées profondes. C'est là qu'on trouve les plus précieuses, tu sais. Il suffit de 3-4 filons profonds pour récupérer ta mise. Elle coûte de l'argent parce qu'elle en rapporte. D'accord. Bon, si tu prends ce noyau psy et que tu y relis 9 cartes psy, tu auras un marqueur de défi psy tout neuf. Ce qui vaut un rang. Des bonbons de rêve délicieux, nourrissants et pas chers. Chacun est fourré à la santé mentale concentrée. Tu ne devrais aller nulle part sans d'accord, en avoir plein les poches. D'accord, ça coûte cher, mais bon, je pense qu'on va si acheter le noyau et... Si et que tu y relis neuf. Bon, très bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi? Bon, si cette le noyau baguette et sort. Excellent choix. Alors, cette baguette de sourcier permet de trouver des pointes de flèche en titanium plus précieuses car enterrées plus profondément. Prends en main la baguette de sourcier et observe et écoute ses vibrations et ses changements de couleur. Cela indiquera la proximité du point de flèche profonde. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi? Bon, si tu prends ce noyau psy et que tu y relis 9 cartes psy, tu auras un marqueur de défi psy tout neuf. Je prends ça. Bon, très bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi? Je prends ça. Excellent choix. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour toi? C'est bon pour l'instant. On épuise. Très bien. Va chercher d'autres pointes de flèche et... On épuise et j'ai vu qu'on avait débloqué un truc pour avoir l'aspirateur. Alors, la baguette de sourcier. Où est-ce que ça va m'emmener? En plus, vous avez pas, mais moi j'ai des vibrations qui vont avec. Donc, il y en avait un par là. Oulala, oulala, d'accord. C'est moi, il faut. Ok. Voilà. Ok, c'était ici. Je crois qu'il y en a un autre. Il n'y en a pas un autre? Je suis persuadé qu'il y en avait un autre. Piti piti. Ah, là il y en a un autre. Les bonbons de rêve sont actuellement en solde au magasin. Vous entendez? Les bonbons de rêve, c'est bon pour vous. Ayez-en toujours en poche pour booster votre santé mentale. Mmh.
Bon, d'accord. Où est la forêt encore? Là, c'est pour quitter le camp. Bon, on va arrêter de jouer avec ça. On verra après. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qu'il y a en haut? Ah bah, on a bien fait. Ah oui, il est là. On va aller voir. On retourne voir Monsieur Crawler, l'agent Crawler. Allons chez Ford. Enfin, je veux dire, à mon sanctuaire. Oui, noble psychomètre. Et on va descendre pour faire les marqueurs de défi psy. Comme ça, c'est fait. Ok, on a gagné deux niveaux, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal comme ça. C'est fait. Pourquoi celui-là? Oula. Voilà. Est-ce qu'on continue à faire un petit tour du camp? Quoique, on va retourner voir l'agent Sacha. On va continuer un peu l'histoire. Hein. On a fait un tout petit tour du camp. Je ne veux pas trop m'éparpiller. Mais je ferai un épisode complet. On continuera à... Non mais... Ok. Je crois qu'il y avait une carte de psy de ce côté. Mais on va continuer quand même l'histoire. Allez. Ah bah on a trouvé l'ours. Oulala, l'ours il est dangereux. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Bon, on a trouvé l'ours hein. Maintenant on sait où il est. Je voulais juste récupérer la carte. C'est plutôt pas mal. Fou. Ok. Donc on va retourner voir l'agent Sacha. Hop. Et on va continuer notre histoire. Et après la tour mentale, si on l'a terminée, on continuera à fouiller le camp. Comme je l'ai dit. Je veux tirer sur d'autres trucs. D'accord, d'accord. Mais plus dans mon esprit. Oublions mon esprit. Approche-toi du... Ok, ça j'avais oublié. Mais on... On va continuer de voir ce qu'il y a dans l'esprit de notre cher ami Rasputin. Et dès qu'on a fini le tour mental, on continuera de fouiller le camp, on va dire. Comme ça, ce sera plutôt pas mal entre chaque épisode. Ok, c'est le moment d'affronter mes démons cracheurs de casque de scaphandrier. Oui, c'est ça. Okay.
Pourquoi il me dit que j'ai pas eu le coffre? Bizarre. Ah, il m'en manque un, je crois. Que ça permettra de revenir un peu en arrière si on veut. Ok, on y va. On est de retour. Et dehors. Voilà, on prend des pointes de flèche. Calme. Voilà, allez. On récupère quand même une petite fille, hein. Reviens ici, toi. Merci. Ouais. Oh oh. Et j'ai cru que j'étais bloqué, hein. Voilà ma pointe de flèche. Alors, on tire sur toi. Voilà, on t'a vaincu. Et donc on peut continuer notre petite aventure. Oula, oulala, revenez, revenez. Ok. Mais au moins ça fait plaisir, on a vaincu notre premier boss dans ce quatrième épisode quand même. Et on a pu vaincre le gros monstre cracheur de casque. Allez, reviens, merci. Ah, j'avais même pas vu que c'était au-dessus ce truc. Ok. Ah, le lapin, tu vas attendre, hein. Hé, hey, où il est passé? Ne me dites pas que j'ai imaginé tout ça. Oh. Ah non, ça c'est la toile. Ok. On est passé rang 16. Donc on fouille un peu, hein. Allez, la bribe. Merci. Hop là. Ok, le bagage émotionnel est là. Mais j'ai pas son truc. Bon, il est tombé. C'est moi qui t'ai engendré. Arrête-toi, je te l'ordonne. Bon, ça marche des fois. Voilà. Calme-toi là. Oh. Aïe, 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 calme-toi. Est-ce que j'ai ton bagage, ton étiquette à toi? J'ai pas l'impression. Ah si. D'accord. Voilà. Bon, je vais pas aller vous chercher à chaque fois. C'est pas marrant. Si vous tombez. Calmez-vous là, wow.
Ok, là c'est très bizarre. Oh 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 oh. Voilà. Je sais pas d'où ils sont sortis ceux-là, mais bon. Alors, est-ce qu'on n'a rien raté? Apparemment non, c'est plutôt cool. Oula, oulala. D'accord, ils ont brûlé. C'est plutôt pas mal. Oula. Calme-toi. Je crois que je l'ai entendu descendre. C'est moi où je l'entends le bagage depuis tout à l'heure. Ah bah il est à côté. Mais viens ici. Voilà. Ouh. Je me disais il était où depuis tout à l'heure. Oh. Attends, il y en a un deuxième là. Aïe, aïe, d'accord. Donc c'est le deuxième que j'entendais depuis tout à l'heure en fait. Oui, j'avais dit qu'on le ferait pas, mais j'aime bien le faire. Calme-toi. Le voilà. Fou. Bon, j'ai enlevé la cinématique, hein. Hello. On a une toile ici. Calmez-vous. Oh oh. Toi t'es dangereux. Hop là. Ok, là c'est encore plus bizarre que d'habitude. Ok, on a un autre. Carton à chapeau. Voilà, comme ça t'arrêtes de m'embêter avec ton tampon. Ok, ça a éliminé les deux, plutôt cool. Voilà. Ah, on est bientôt niveau au rang 20 de Psychonautes. Voilà.
Là, c'est vraiment bizarre. C'est quoi ça? Pourquoi je le sens pas ce truc? Qu'est-ce que c'est? Oui, je sais, je m'arrête sur un détail qui sert à rien. Bon, ça servait sûrement à quelque chose, hein. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire, hein. Je sens qu'il sert strictement à rien, en fait. Mon petit gars, j'ai le regret de te dire que tu as un très grave problème mental. L'origine de l'affection se trouve dans cette zone, ici, la zone que nous autres professionnels de santé avons l'habitude d'appeler le cerveau. Tu vois, petit, il ne marche pas. Pardonne-moi d'être franc, mais... Oh, tu es aussi sain d'esprit qu'un cafard doré. Je sais, tout le monde me dit toujours ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon cerveau, docteur? Comment le saurais-je? Je suis dentiste. Mais je sais au moins une chose, si une dent va mal, on l'enlève. Mais mes dents vont bien. Oui, il faut enlever le cerveau, petit. C'est le moyen le plus rapide de guérir ce que tu as. Un dérangement cérébral. Mais je veux pas... Chut. Ne bouge pas. Cela ne te fera mal que jusqu'à ce que ton cerveau soit sorti. T'en fais pas, Dogen. Je vais grimper là-haut et te sauver. Un problème, Rasputin? Pas le temps d'en dire plus, Sacha. Je dois grimper à cette saleté de tour. C'est très bizarre, quoi. Qu'est-ce qu'il fout dans notre rêve? Enfin, dans notre esprit, Dogen. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'es arrivé jusqu'ici? T'étais pourtant dehors? C'est bizarre. Ouais, toi t'es pas du tout spoté. Merci. On fait un peu le tour, hein. Ah ben, le coffre. Le coffre à souvenir. Oh, la profondeur, la projection accrue. Alors, le monde va goûter à mes œufs. Oups. Ok. Qu'est-ce qu'il fout dans un parc d'attractions? Ok, la fin est très bizarre. Ok, qu'est-ce que c'était que ça? Je vois de drôles de trucs là-dedans, Sacha. C'est pas normal. Ah, pourquoi ai-je acheté le tour mental? Merci. Ok, on a débloqué un succès puisqu'on est rang 20 apparemment. Et on peut acheter l'aspiratoile, mais on n'a pas assez de thunes, quoi. Ok, ça nous a fait gagner 2 rangs, hein. Comme quoi. Maintenant que j'y pense... Ok, on l'a pas. C'est que dans le monde réel. Donc je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour ce 4e épisode. Et au prochain épisode, on va aller sauver notre cher ami Dogen. Qui semble être en danger face à un dentiste mental. Bon. On va grimper juste un peu. On va s'arrêter. Voilà. Oulala, j'ai failli faire une connerie. Pas moyen de grimper plus haut. Tu dois faire appel à la lévitation. Mais je ne sais pas léviter.
Je ne me doutais pas que tu en savais si peu. Hey. Heureusement, on a avec nous l'un des meilleurs professeurs de lévitation. L'agent Mila Vodello, la minette mentale. Exactement. Il va te falloir ce badge de rameur pour la rejoindre sur le quai. Je vais tâcher de déterminer l'origine de cette interférence. Reviens quand tu auras reçu ton badge de lévitation. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Ça nous permet de nous arrêter là. Donc j'espère que ce quatrième épisode de Psychonauts vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, nous suivre sur Twitter. Et au prochain épisode, on ira voir l'agent Mila. Mais juste avant de la voir, on ira retourner voir notre cher ami Kruller. Et on continuera à faire un petit tour du camp pour pouvoir acheter l'aspiratoile. Donc c'était Tsuzaku d'Argus Phoenix, Janemina.